Bonjour, je m'appelle Franck, j'ai 46 ans et je suis chauffeur de bus depuis 12 ans et depuis 4 ans à la compagnie des autobus de Monaco. Il faut vérifier en bas, en haut, il faut vérifier les lits. Les porte-à-faux, très important sur ce type de véhicule, parce que c'est des véhicules très longs. Et là, tout ça, c'est signalé. Donc on ne va pas le re-signifier. C'est bon pour le bus extérieur ? Là, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Tout est signalé, il n'y a pas de marque spécifique qui n'aurait pas été signalée par l'ancien chauffeur, donc il n'y a pas de problème. Départ 7h21, et je dois aller au tourisme, et mon arrêt de départ, c'est parking pêcheur. Le SAE, c'est ce qui va m'annoncer les courses, en fait, les horaires des courses, et ainsi de suite. Ce qui me permet également de communiquer avec le service contrôle. Donc là, pareil, je rentre mes identifiants et mon numéro de service. Donc là, en ce moment, les bus sont gratuits. Qu'est-ce que ça change pour vous, du coup? Ben, on n'encaisse plus d'argent, on ne fait plus de tickets, tout simplement. Donc ça, on en a moins besoin, mais on doit quand même tourner les courses. Et les courses, c'est-à-dire dans quel sens on va, dans le sens Saint-Roman, le sens Monaco-Lille. Là, vous avez la sonnerie des 3 minutes. Ça veut dire qu'il faut se préparer. Dans 3 minutes, on doit quitter le dépôt. Bonne journée! Alors ça, normalement, ça veut dire dans 1 minute, vous devez partir. Là, comme je vous le disais, on a anticipé le départ au cas où il y aurait un problème sur la route. Donc là, on se rend en haut le pied, sans personne. Sur la girouette, donc la girouette c'est l'indication extérieure, il y a bien marqué ce bus ne prend pas de passagers, et donc on part en haut le pied jusque là-haut. Donc là on s'arrête à cet arrêt là parce qu'en fait on a un départ à 7h29 de l'office du tourisme. L'office du tourisme, c'est un arrêt où énormément de bus s'arrêtent, la ligne 6, la ligne 1, 2, la ligne 100, les bus pour Beausoleil. Et donc du coup si j'y vais maintenant, je vais gêner les autres bus. Donc je me mets à un arrêt où je sais qu'il y a très peu de passages pour gêner personne. Donc ça vous arrive souvent d'avoir un petit peu d'avance? C'est vraiment une organisation personnelle en fait. C'est une organisation personnelle pour pas gêner les collègues. Parce que eux, ils sont en service et ils chargent déjà du monde. Alors que moi, pour l'instant, je ne charge personne. Je charge à partir de 7h29. Et voilà, ça s'est marqué Saint-Roman, bus gratuit. Donc c'est automatique. C'est automatique. Et là, à 29, ça va m'annoncer le départ. Le départ de mon service. Et voilà. Prochain arrêt, Saint-Charles. Voilà. La géolocalisation a vu que le bus était parti. Ça s'arrête et ça annonce au prochain arrêt. C'est 1 minute 30 d'avance, donc ça c'est classique le matin quand même. Oui. Alors en fait, il faut regarder ça et également regarder à quelle heure est mon prochain départ du terminus. Donc au niveau de Saint-Roman, c'est 7h37. Il est 7h32. Donc il ne faut pas perdre trop de temps quand même. Hein. Et c'est un terminus où il y a plusieurs lignes. Vous avez la carte devant. Donc là, vous avez combien de temps à attendre? Alors là, 3 minutes. 3 minutes. Donc, ça va sonner. À 1 minute, ça va sonner mon départ. Là,
aujourd'hui vous êtes ligne 1 et 2, c'est ça? Oui. Ça, donc vous pouvez avoir n'importe quelle ligne? Non, alors en fait c'est des rotations. On a une rotation. En général, en fait il y a deux équipes. Une équipe fait la ligne 1, 2 ou 6 et l'autre équipe fait la ligne 3, 4, 5. D'accord. Et donc dans ces cas-là, vous ne changez pas de la journée, c'est... Ah non, toute la journée, vous faites soit vous faites le 1-2, c'est-à-dire le réseau Monaco-Ville, soit vous faites la ligne 6, soit vous faites la ligne 4. Voilà, vous ne changez pas dans la journée de... Et c'est pareil pour les bus, vous n'avez pas un bus, pas attitré, mais je veux dire un bus que vous prenez tout le temps, c'est que vous pouvez changer tout le temps. Tout le temps. Hier j'avais le numéro 121, aujourd'hui j'ai le numéro 106, non, ça change tout le temps. En fait, la place d'armes, c'est un endroit à cette heure-là, donc on monte les lycéens, les collégiens, et à cette heure-là, il y a énormément de monde. Donc le contrôleur est là pour nous donner le top chrono. C'est lui qui nous, si vous voulez, qui nous charge le bus, qui nous remplit le bus pour qu'on puisse partir. Qui coordonne les différents bus pour qu'on se retrouve. En plus, il est très important qu'on ne se retrouve pas à plus de deux bus sur la place de la visitation. Donc tous les matins, il est là. Tous les matins, il est là pour faire ça jusqu'à à peu près 9h. Direction Saint-Romand et la destination direction Jardin Exotique. Il faut toujours qu'il y ait un bus de chaque sur la place. Ça, il n'y a jamais de problème par rapport à ça? C'est régulé par les contrôleurs, donc en général, il n'y a jamais de problème. Départ 8h06, il est 8h, il y a 6 minutes de battement. Toi, à titre personnel, tu préfères commencer le matin, tu es plus l'après-midi? Moi, personnellement, je préfère le matin. Maintenant, il y a des chauffeurs qui préfèrent l'après-midi. Voilà, moi je suis plutôt quelqu'un du matin, donc je préfère faire le matin. Mais ça tourne constamment. Demain, je fais après-midi. C'est pas selon les préférences de chacun? Alors après, on a une possibilité de changer des services avec nos collègues. C'est-à-dire que moi, si demain, par exemple, j'avais besoin de faire le matin, j'aurais pu échanger avec un de mes collègues qui aurait, s'il a accepté, de changer avec moi, il aurait fait mon après-midi, j'aurais fait son matin. Voilà. Donc il y a aussi une sorte d'entraide sur le... Bien sûr. Si on a besoin, on passe par le service contrôle, on demande à un collègue de changer, si on est d'accord, on change et il n'y a pas de souci. Je vois que le monsieur t'a demandé un renseignement, c'est aussi ça le métier de chauffeur de bus? Bien sûr, il faut pouvoir répondre aux attentes, aux questions des passagers, bien sûr. On demande beaucoup de renseignements, en plus à Monaco on a une très forte population touristique. On a une très forte population touristique et très en demande de cela. De monde sur la route. Ouais. Est-ce que c'est des heures où c'est moins agréable de conduire quand même ou... Non, franchement non, c'est une habitude. Simplement, on sait bien qu'aux heures de pointe, il y aura plus de circulation. C'est une habitude à avoir. Tant quand vous faites ça, il faut pas être nerveux, il faut être plutôt patient. Donc c'est une habitude, on le sait. Tiens, ça va? Ah si, elle est là. Ah, elle est pas bien visible. 2,55 m de large, 11,99 m de long.
Et en fait, vous, les bus sont différents, mais vous savez tout conduire. Est-ce qu'il y aurait des vraies différences qui pourraient mettre Il y en a certains. Sur certaines lignes, par exemple sur la ligne 3, il y a des bus électriques, totalement électriques. Plus petits, qui font à peu près 9 mètres, mais totalement électriques. Ici, là, majoritairement, on a de l'hybride, mais ceux-là sont totalement électriques sur la ligne 3. Et en termes de conduite, il faut savoir changer un peu ses habitudes. Comment ça fonctionne du coup ? La base est la même. Mais oui, effectivement, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent. Déjà, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vibration. Voilà. Il y a une petite habitude à avoir, mais ça se fait très bien. Combien de temps est-ce qu'on attend du coup ? Ben, il nous reste 7 minutes. Sur 9h02, donc dans moins d'une minute, on part sur le jardin exotique. Et on sait qu'on aura un retour, donc un départ du jardin exotique à 9h33. Tu vois, 9h02, on y va. Et donc ça, donc là, tu auras combien de changements de direction dans la journée ? Ah, dans la journée, il y en a 7. Donc entre le... Du coup, tu passes de la ligne 1 à la ligne 2, en fait. Voilà, exactement. Là, on est passé en ligne 2, si tu regardes. Jardin exotique, là c'est marqué, maintenant on va au Rotonde, on va plus à Saint-Romain. Quand le bus est un petit peu moins rempli, ou qu'il y a un petit peu moins de monde, est-ce que toi en fait ça... Ça change pas la teneur de ton travail ou est-ce que c'est quand même plus reposant, t'es quand même plus détendu, comment ça se passe ? Que quand il est plein par exemple ? Oui, bah, quand il est plein, c'est sûr qu'il y a un peu plus de pression, mais sinon on est habitué, c'est toujours pareil. Ouais. Et toi ça te change pas grand chose ? Non. Au revoir ! Terminus. Ouais, terminus. Là, je dépasse un peu de l'arrêt, donc je vais me mettre en détresse. On dit beaucoup que les chauffeurs de bus en général, les conducteurs de bus, sont en première ligne face aux incivilités, on va dire. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que c'est vrai ? Alors ici, on est à Monaco. Monaco, c'est quand même relativement spécial, dans le sens où tu as pu voir depuis le début, où les gens, en général, disent bonjour, disent merci, disent au revoir. Donc non, ici, la clientèle est plutôt calme de ce côté-là, on va dire. Et ça, c'est important pour toi aussi ? Ben, c'est agréable. C'est forcément agréable. C'est sûr que si les gens vous regardent pas, vous disent pas bonjour et tout, forcément, c'est une autre façon de travailler. C'est... Voilà, c'est pas pareil. Là, c'est agréable. Les gens vous sourient majoritairement. Majoritairement, les gens vous sourient, ils sont sympas. Bonjour, le bus est gratuit pour... Bonjour. Magnifique. Alors là, je finis le service dans 7 minutes. Donc, quand je vais arriver à l'arrêt Monaco-Ville, il y aura ma relève, c'est-à-dire un autre chauffeur qui va récupérer le bus et qui va partir pour jusqu'à 20h. Et ce sera la fin de ta journée. Et ce sera la fin de ma journée, puisque actuellement, on n'a pas de caisse à déposer. Code agent du service 118, en sachant que j'étais le 117, donc c'est le suivant. Oui. J'ai mis le kilométrage départ le matin, kilométrage à l'arrivée. T'as parcouru combien aujourd'hui là ? Exactement 61 km. Donc, bah, la matinée s'est bien passée. Maintenant j'ai passé le volant à mon collègue. Donc, pour la relève et maintenant il va partir jusqu'à 20h. Il est de bonne humeur. Voilà. Et demain quel est le programme ? Ben demain après-midi. Retour demain après-midi. Je suis ma rotation normale. Ok. Coupé. Allez tiens, à demain. À demain. À demain. Voilà. Bonne femme.
Yeah.